Si est-il un des mariages les plus attendus de l'année? Samedi 19 mai, le prince Harry et Meghan Markle se diront oui pour la vie. Si l'on sait que les tourtereaux s'uniront à la chapelle Saint-Georges de Windsor, on ne sait toutefois pas quelle tenue porteront les futurs époux. Alors les spéculations vont bon train. Engagé dans les forces armées britanniques, le prince Harry a été officier de la cavalerie et pilote de l'armée de terre, Army Air Corps. Pour avoir servi dans ces régiments, il ne fait aucun doute que le fils de Lady Diana et du prince Charles se mariera en uniforme. Un uniforme qui pourrait le contraindre à se débarrasser de sa barbe. En effet, dans ces deux corps de l'armée, le port de la barbe est interdit. Pour se rendre jusqu'à l'hôtel, le prince devrait donc adopter un nouveau look. Mais pourrait également y échapper. En effet, en décembre 2017, le prince Harry prenait le relais de son grand-père le prince Philippe en tant que chef des Royal Marines. S'il porte cet uniforme, toutefois, le prince Harry pourra conserver sa fameuse barbe. Et selon le magazine Point de Vue, il est fort probable qu'il choisisse la tenue de la Royal Marine en hommage au prince Philippe.